Yop, c'est reparti pour l'Space Engineers. Donc du coup, j'ai fini le cul du vaisseau. Donc ça a été quand même assez compliqué de faire le deuxième côté tout pareil. Voilà ce que ça donne. Ouais, ça casse pas trois pattes d'un canard, mais bon. C'est quand même un peu moins dégueulasse que mon vieux cube d'avant. Donc avant je voyageais dans un cube et là je crois qu'au fur et à mesure j'ai voyagé dans une couille. Mais bon, c'est pas grave. Du coup ici j'ai remis des propulseurs et je pense que après je vais carrément les enlever, enlever tous les petits là, le décaler celui-là d'un cran parce qu'il va tenir. Et là j'ai mis un gros, c'est juste pour tester, il est pas branché. Pareil à la place des petits, mettre deux gros comme ça. Parce qu'a priori, ça va tenir à l'intérieur. Tu regardes là, hop. Il dépasse d'un cube. Donc si je le rentre d'un cube, il va arriver là. Et là, du coup, je vais pouvoir tout fermer nickel. Donc je vais pouvoir mettre toutes mes mitrailleuses et mes tourelles tout le long. Et puis en dessous, c'est pareil. Là, du coup, que ça fait un gros bidule comme ça. J'ai toute la place qu'il va me falloir. Que je vais avoir besoin pour passer mes. Pour passer les tuyaux et tout. Donc après, est-ce que je veux aller jusqu'en bas? Je verrai ça petit à petit. Par contre, du coup, aujourd'hui, il faut que j'aille chercher de la glace encore. Parce que là, là, ça a enfin monté d'un cran. Mais voilà, j'ai plus que 197 K de glace. Et puis ici, 11 K. Tiens, d'ailleurs, hop, on va remplir un petit coup. Donc ouais, ça se remplit petit à petit, tranquillou pilou, faut pas être trop pressé. Par contre, ça consomme énormément de glace. Donc on va poser tout ça et on va aller chercher de la glace ici. Ça a dû fondre un petit peu. Ouais, voilà, il me reste quand même pas mal. Là-dedans, bah non, c'est pas là-dedans que ça fond, c'est ici. On est où? 172 K et 122. Attends. Hop. Là, on sélectionne double-clic. Ah ouais, 842 à chaque fois. Est-ce que je ferais pas fondre la pierre avant justement pour avoir de la glace? Ah si, en plus ça fond vite. Donc on va laisser ça et je vais essayer de retourner chercher de la glace. On va fermer les portes. Ça va éviter les courants d'air, hein. Bon, en même temps j'ai pas de pare-brise, mais on va dire on s'en fout. Alors, il faut que j'aille chercher de la glace en sachant qu'il faut pas trop que j'aille là-bas parce qu'il y a un gros vaisseau ennemi. Donc où est-ce qu'il y aurait des... On va aller voir là-bas derrière, je pense. Alors, on va mettre en route le bordel. Voilà, par contre, j'ai pas vérifié est-ce que... Ok. On va même aller voir le gros directement là-bas. Hop, on va se mettre en vue intérieure. Enlève ça. Ah, j'avais pas vu. Ah si, c'est bon, c'est toujours l'autre. Ah, elle est juste au-dessus, faut que je fasse gaffe. Hein. Mais bon, je suis armé, mais est-ce qu'il va pas me défoncer? Hop, 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 calme-toi. Ah, c'est pareil, derrière, je mettrais bien dans les... Genre là, dans le petit trou là, là en bas. Je verrais si je mettrais pas des... Des propulseurs électriques, là. Ah oui, c'est le cube de...
ici on a quoi? Glace magnésium. Ah bah impeccable, j'aurais voulu le faire exprès. Ah merde, c'est là où j'étais au début. Ah stop, 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 stop. Attends. GPS. Ça ouais, j'ai déjà été là. On va aller voir l'autre là-bas. Donc j'ai mis un mode aussi qui me permet de dépasser les 100 mètres par seconde. Donc je peux aller, je sais pas combien, j'ai pas essayé, mais j'irai pas à fond pour l'instant. Avec les gros rochers, je risquerais d'avoir quelques petits soucis. Alors, faire attention de ne pas se claquer la tronche dedans. Elle met un peu de temps quand même à freiner, hein. Il va y avoir de la glace ici. Oh, par contre, ouais, l'hydrogène, j'étais à 31, je suis passé à 29, ça diminue vite quand même, hein. Silicium, on s'en fout. Et il n'y a pas de glace. De glace. Il y a un autre astéroïde là-bas. km, donc l'autre ça va, il s'éloigne. J'allais peut-être aller voir celui qui est là-haut. Donc celui-là, c'est lequel qui est le plus près? Ah, on va aller là-bas. Hop, on va bien se mettre en face. Ouais, que du silicium. Ça va, déjà le vaisseau ennemi s'éloigne.
Ah, ça part vite l'hydrogène quand même, j'ai l'impression. Ah, fait chier, encore du silicium. Bon, bah, on va aller au prochain, quoi, fait chier, hein. Bon, j'espère qu'il va y avoir de la glace ici. Yes. Ah bah c'est quoi? Merde, du nickel. Mais pas nickel, hein. Parce que je suis dedans, je suis complètement à côté. Hop, ça m'évitera d'avoir à régler. Attends. Ah bah oui. Hop. Un petit coup de loupiote. Ah oui, non, là je suis complètement à côté. On va descendre un poil. Ah, mais non, là je peux plus piloter le vaisseau. Oh. Il faudrait que je descende encore un peu et que j'avance. Encore un peu et on avance. Ah ouais, là ça a pas l'air trop mal. Je peux avancer encore un petit poil.
Ouais. Et un petit peu sur la gauche. Ok. Bon, on va éteindre les moteurs, ça évitera de bouffer et on va mettre en roost. Là, est-ce que ça a fondu? Oui, c'est cool. Du coup. Et petit conteneur 7, ok. Hop, c'est cool. Du coup, on va recharger. Ah si, il y en a un peu qui y va quand même. Bon, on va laisser faire ça tranquillou pilou. Ah là, ça tape directement la glace, c'est nickel. Du coup, oh, avec la terre et le soleil là, c'est magnifique. Déjà, est-ce qu'il y a des ennemis dans le coin? Ça a pas l'air, hein. Non, c'est bon, il n'y a plus personne, c'est cool. Je vais couper tout ça. Tac, bim, bam, boum. On va enlever ça. Ah, mais après, je pourrais plus monter et descendre. Pour aller avant, arrière, droite, gauche. Par contre, je pourrais plus aller en haut ni en bas. Pas grave, je trouverai une solution en suivant. De toute façon, faut que j'enlève ces daubés. Merde. Ça déniape. Je vais peut-être même couper les culs. Ouais, attends, je ferai ça après. Hop là. Hop là. Ouais, je perds la moitié des compos. Impeccable. Ah putain, ça remplit vite l'inventaire. Hein. Voilà, alors. C'est tout bien propre, ouais. Du coup, je vais péter ça. Péter ça et péter ça. Putain.
Hop, on va prendre un peu de recul. Hop. Ah, je peux même... le mettre un cran de plus. Ah bah non, il veut pas. D'accord, on va mettre ça comme ça. Voilà, comme ça, là, je vais pouvoir fermer. C'est nickel. Hop, 8. On va mettre ça. Tac. Ah, donc là, ça me paraît pas trop mal. Par contre, pour les tuyaux, après... Ah bah, j'écarterai d'un cran, puis c'est tout. Hein. C'est pas... Ouais. Pas grave, on verra ça après. Ah! Il veut pas que... J'ai pas de plaque d'acier, c'est pour ça qu'il veut pas. Hop, je vais en avoir assez. Est-ce que je le colle contre ou est-ce que... Aïe! On va voir qu'est-ce que ça donne. Ah ouais, mais non, là, je vais pas pouvoir... Alors là, je vais pouvoir le rentrer d'un cran, mais là-bas... Là-bas, je peux le rentrer aussi. Donc, tac. On va peut-être plutôt les mettre en haut. Énergie faible. Oh, tais-toi donc. Hein. Merde. Est-ce que j'ai mis contre? Enlève-moi ça, je vois rien. Oui, c'est bon. Voilà, et bah regarde donc. Ah. Si, c'est bon, là, ça, je vais pouvoir y décaler d'un cul. On va essayer le cube ici, tant qu'à faire. Hop, on va mettre des petits cubes ici. On va reprendre les propulseurs. Merde. Oh non, j'ai fixé en haut. Énergie critique. Oh, mais tais-toi donc. Voilà. Ah, il y en a d'énergie. Maintenant, tu me fous la paix. Hein. Oh. Ah, comme ça, au pire, il me reste un cran là. Ouais. Et là, par contre, faut que je déniappe ça. Merde. Ah bah attends, faut que je vide l'inventaire déjà. Pop. Whoop!
Putain, j'ai même pas mis un coup de meuleuse, je suis déjà plein. Ouais, d'accord. Oui, bah mon inventaire, oui, il est plein, je suis d'accord. Hop, j'espère que j'ai bien récupéré. Ah, mais j'ai plus d'énergie là. Oh, crotte de biquette. Hop, ok. Attends, 4. On va remettre des cubes. Non, parce que j'ai plus de plaque d'acier. Voilà. Ah, par contre, du coup, non. Ça qu'il me faut. Ah, par contre, je pourrais pas le. Et si c'est quoi ça? Ah, c'est peut-être pour ça qu'il voulait pas que je le pose. Bon, c'est pas grave. Merde. 9. Si je le mets là comme un si tiens là, on est d'accord? Ah bah ouais, mais du coup faut tout que... Putain. Faut tout que je remette à la main. Attends. Non, enlève-moi ça. Comment on met dans le plan de construction? Comme as. Et là, normalement... Là, il en faut des magnétrons machin truc là. Voilà. Du coup, on reprend le carburant et on peut pas le mettre parce que il n'y a plus accès. Et à la limite, c'est peut-être même mieux comme ça. Ah ouais, mais je suis pile de... Bah, de toute façon, le portail, je vais le dégager. Mais ouais, comme ça, je serais peut-être pile devant le machin. Là, par contre... Je vais tout de suite... boucher ça au cas où je me fasse tirer dessus. Voilà. Ah, par contre, je peux pas monter ni descendre. Qu'est-ce si je mets un truc là? Ouais, mais là je peux pas... si c'est bon. Donc a priori ça, ça tient. Ça, ça tient aussi. Donc on va prendre des tuyaux. Des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux, yo, yo.
Pardon. Petit moment d'absence. Plaquage intérieur. Plus, si, il y en a encore. On va mettre ça. Attends, non. D'ailleurs, j'ai pas peint, putain. 5, on va se mettre là, shift P, tac, terminé. Hop, hop. Hop, on va les peindre tout de suite avant que je zappe. Donc si je mets ça là, celui-là je le mets... Pas comme ça parce que ça ira pas. Non, là il me faut une croix. Voilà. Je vais mettre comme as. Mettre ça. Non, ça c'est une croix, c'est pas ça que je veux. Moi c'est un T. Un T comme as. Ah bah puis là ça part pile tout droit, c'est nickel. J'aurais voulu le faire exprès, ça j'aurais pas réussi. Voilà. Ensuite, il faut que je puisse monter et descendre. Donc là-haut, je vais pouvoir monter. Enfin, mettre les trucs pour monter. Non, là, je fais du caca. Ah ben si, c'est bon. Oui, si, c'est bon. Et c'est là-haut, celui-là, c'est pas bon. Ah, il suffit juste que je mette un T. Voilà, et du coup, des petits propulseurs. Des petits, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Ah, mais attends, parce que là, il est en train de bouffer tout mon gasoil. Hop, je raccorderai après. Ah mais attends, attends. On va reprendre les tuyaux. Propulseur en haut et propulseur en bas. Donc, j'ai pas les dégâts des propulseurs hein, parce que sinon je pourrais pas le faire là, ça ferait fondre tous les Toyo. Est-ce que faire la même chose de l'autre côté. Tuyau 5. Donc là, il faut. T'es jusqu'au bout. Yes, papa. Là je sais plus comment j'ai fait, s'il faut que je mette un tuyau comme as. Là faut que je mette un tout droit. Énergie critique. Un comme ça. Et là après il faudra que je mette un T. On va déjà remettre les propulseurs. Je les retrouve.
Faudra pas que j'aille là où il y a de l'atmosphère parce que avec seulement 4 petits comme ça, je pense que je vais m'éclater par terre. Alors est-ce que parce que là il y a des gros qui tiennent. Alors si je prends un gros, se mettre en marche à recul. Si je mets comme as. Là-haut ça passera pas, il faut que je rentre d'un cran. Mais après je pourrais pas en mettre pour descendre. Ah mais en dessous 8. Je peux mettre tous mes cubes, tout fermé, nickel. Et là, bah là j'ai plus de poils de tuyau en plus pour l'hydrogène, ça tombe pile dans les trous, c'est nickel. Pour le bas, je pourrais même en rajouter encore un peu là. Ça va finir sur mon truc à glace. Ouais, je vais en remettre. Allez, je suis un déglingo. Mais je pourrais même en mettre tout le long. Et je pourrais aller me poser sur là où il y a de l'atmosphère. Ouais, ça me paraît pas trop dégueulasse. Et là, du coup. Ça me choque un peu celui-là. Enfin, en même temps, après là, ça va être fermé, donc ça se verra plus. Je vais peut-être même laisser ces deux-là comme ça. Ça fera stylé. Ah, faut que je coupe un cube en plus. 8. Ah,
Voilà, eh, bah finalement, hein? Alors? Ah, mais ils ont pas de gaz. Ah, je peux pas le décaler parce qu'il y a le portail. En sachant que le portail, après, je vais le dégager. Ah, mais là, c'est pareil, j'avais dit que je mets une paroi, je mettrais une paroi, faudra que je la décale alors, du coup. Parce que je veux que ça soit étanche. Donc, je m'en fous que là-bas, tout là, si là c'est pas étanche pour l'oxygène, je m'en fous, mais je voudrais qu'ici, la partie là, ça soit étanche en oxygène. Pour construire des petits vaisseaux tranquillou pilou. De 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais les enlever pour l'instant. D'ailleurs, il doit me manquer des compos parce que ça les construit pas. A priori, j'ai plus de grilles. Crafter de la grille. Et du coup je vais aller non attends, parce que ceux du bas là ils ont pas de ça va pas, faut que je mette une croix. Ah bah non, ça va pas non plus. Puis là on va mettre un bouchon. Hop. Et ça ne marche pas. Je vais faire un tour dans le vaisseau. Bah attends, d'ailleurs je vais tous les relier. Ah, il me faut un T. J'ai plus de plaquage intérieur comme par hasard. Énergie faible. Voilà, bah ça tombe bien, tiens. Hop, du coup, faut que je prenne tous les hydro, voilà. Donc de celui-ci à jusqu'en bas, je les mets en off. Propulseur, ok. Et normalement, je vais avoir des petits. Celui-ci, ah merde. Celui-ci, on met tout en off. Ensuite, on reprend ça. On ajoute cela.
Sauvegarder. Voilà. Du coup. Ça marche pas là non plus. En dessous, ça a pas l'air. Et si je mets en rouste. Donc là, ça claire. Là, ça claire. Derrière ça. En avant, j'ai l'impression que ça marche aussi. Donc il n'y a que ceux sur le côté qui ne fonctionnent pas. J'ai fait de la merde. Stop, arrête-toi. Oh putain, oh putain, oh putain. Mais en route. Ah bah ils se mettent en route après, bande d'enculés. Oh. Putain, j'ai bonqué là du coup. Ah bah puis j'ai tout décalé le... Oh, attends. Hop, éteint de bidule pour l'instant. Ah ouais, c'était le temps qu'ils se mettent en route, quoi. Voilà, donc là, c'est bon, ils sont tous en route. Ok, bon, éteint ça. Non, oh, oh, oh. Voilà, du coup le cube, là, enfin le farm de glace, hein, bah, je peux le décaler maintenant. Ouais, c'est plus guère de la glace quand même. Hein. Oh bah oui. 535A, ok. 138, donc attends, on va se mettre dans celui-là. Tac. Ils sont où les bidules? Hop, on va les remplir au taquet. Voilà. Bon, ça déjà c'est bon. Je pense que là, de la glace, c'est juste ce qu'il faut. Du coup, les réservoirs, c'en est où? Ah, ça se remplit bien là. Ouais, ça monte, hein. 1, 2, 3, 4, ok. Ok, ça fonctionne. Donc je vais laisser se remplir un petit peu. Bon, ben voilà, c'est pas... Ça avance petit à petit. Pas trop dégueulasse, ça prend forme, c'est cool. Donc là, après, je vais pouvoir boucher. Je vais même pouvoir passer mes tuyaux pour mettre les... Ah ouais, mais les armes, la porte va peut-être être un peu... Au pire, je redécalerai la porte, je la mettrai un peu plus par là, c'est pas dramatique. Après, il faudra que je fasse quelque chose au-dessus. Ah, pareil, la porte là, parce qu'il y a les machins qui dépassent. Donc, est-ce que je la mettrai pas un cran à l'intérieur pour que ça, ça soit caché? C'est à voir. C'est à voir. Parce qu'après, à l'intérieur, même si elles sont un cran en intérieur, ça veut dire qu'elles seraient là à la place de, à la place des triangles. Les triangles, ils seront là. Ouais, ça laissera quand même assez de place pour construire. Là-bas, je pourrais stocker des vaisseaux, ici. Enfin, quand ça sera construit, évidemment. Et puis voilà. Donc bon, je vais m'arrêter pour cet épisode. Parce que ça fait déjà, ouais, 50 minutes, putain. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Tchuss.